France, 2018. Alors que la révolte des Gilets jaunes provoque un grondement dans le paysage français, certains clament que c'était écrit, que c'était pour ainsi dire, le destin. Vivions-nous mieux durant cette période ? Selon certains linguistes et prédicateurs, les écrits de Nostradamus, le bien connu, auraient prédit la crise actuelle. Lorsque ménestrels et troubadours se pareront de la couleur du jour, pour contrecarrer les funestes plans de la cour, le règne de Jupiter cessera. Ces écrits sont pour le moins surprenants, mais qu'en penser réellement ? Michel de Nostredame, dit Nostradamus, né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy-de-Provence et mort le 2 juillet 1566 à Salon-de-Provence, était un apothicaire français, connu pour ses innombrables prédictions, comme la chute du mur de Berlin, la Seconde Guerre mondiale, ou même la déprogrammation de ses pas sorciers. Les prédictions de Nostradamus font frissonner et angoisser la terre entière. Mais comment se fait-il qu'un vieux pélo qui est mort de la malaria dans son lit de mort ait pu prédire autant de choses dans le monde actuel ? Nous avons contacté au téléphone un expert en Nostradamus. Il nous explique tout, de A à Z. La défaite hein, de Lionel Jospin, il l'avait prédit. Le suicide de Bérégovoy, il l'avait dit dans un texte un peu moins connu, mais il était au courant. Nostradamus était un homme très alerte sur le monde qui l'entourait. Pour 2019, Nostradamus aurait prévu un album de reprise de Charles Aznavour par Jules, un biopic de Grégory Le Marchal avec Norman Tavo dans le rôle titre, un prix Nobel d'astrophysique pour Aya Nakamura, une tournée des To Be Free avec Philippe Nicolic recréé en hologramme, et surtout, le rendage d'argent tant attendu de François et Pénélope Fillon. 2019 sera, à n'en point douter, une année d'anthologie. La bohème, la bohème, la bohème. Je pars d'un temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître. Mon martin c'est dans la accroche, c'est là jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi crié famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, la bohème, la bohème. Ça voulait dire on est heureux, la bohème, un jour sur deux. La bohème, un jour sur deux, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème.